La souveraineté est très importante. Parce que même la France, qui a été libérée par les États lors de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs États, les États-Unis, les États africains, tout le monde est venu combattre en France. Mais quand il s'est agi pour les Américains d'établir une base militaire américaine en France, De Gaulle a dit non. Jamais. Il dit jamais. On reconnaît ce que vous avez fait. On reconnaît. Et la France vous sera toujours reconnaissante. Mais dire que pour ça, la France va devenir un protectorat militaire américain, jamais. Parce qu'ils sont attachés à leur souveraineté. Ils veulent penser, décider d'eux-mêmes ce qui est bien pour eux. Et la France n'a jamais accepté. Voilà. Ça, c'est normal. Ça veut dire quoi? La souveraineté, là, est hors du champ de commerce. On ne peut pas négocier, manœuvrer, faire des transactions autour de ça. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas être développé. Quelles que soient les richesses. Et Dieu seul sait que cette terre ivoirienne n'a pas été une terre oubliée de Dieu. Dieu nous a donné toutes les ressources. On mange sur du pétrole, on mange sur du gaz, on mange sur du fer, on mange sur du bauxite, on mange sur l'or. On a du pétrole, on a du gaz. Nos parents travaillent dans les plantations. Mais voilà notre réalité qui est là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas libre. Et ce débat, on doit le poser lors de la campagne électorale. Quels sont ceux qui veulent qu'on soit libre pour que les Ivoiriens puissent bénéficier des richesses que produit la Côte d'Ivoire? Voilà. Il faut que ce soit ça. Et on va se déterminer par rapport à ça. Il y en a, on regarde. Ils pensent qu'on ne les voit pas. On les voit, eux tous. Mais ils ne vont pas échapper à ce débat. Non, ils ne vont pas échapper à ce débat. Ils sautent. Ils voient que c'est ça. Et puis ils sautent. Mais il y a des pierres, on ne contourne pas. C'est nous les spécialistes de contourner la pierre qui le disons. Et ils ne vont pas contourner cette pierre. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. L'État ne donne pas les cartes nationales d'identité. C'est assez extraordinaire, mais c'est la réalité. En Côte d'Ivoire, on paye la nationalité. Voilà. Les Ivoiriens payent pour être Ivoiriens. Les Ivoiriens payent pour qu'on leur décerne un titre d'ivoirité. Tout ça, c'est la politique. Donc, il faut qu'on fasse nos papiers pour gagner les élections. Quand on a fait nos papiers, là, il faut qu'on se prépare pour le scrutin. On est nombreux comme ça, mais le moment de chercher les scrutateurs, on a des problèmes. On a des problèmes. Président, il faut commencer à vous occuper, à trouver les jeunes qui vont être les scrutateurs dans les bureaux de vote. Mais des jeunes qui ne sont pas là, pourquoi on les paye pour faire cette mission? Pourquoi vous voulez qu'on vous paye? Pour être scrutateur, aujourd'hui, il y a des gens qui réclament de l'argent, des militants. Ce ne sont pas des militants. Un militant qu'on paye n'est pas un militant. C'est un mercenaire. Parce que c'est le mercenaire qu'on paye pour accomplir une mission. Mais vous êtes militant et puis vous voulez qu'on vous paye. Or, avec la mentalité, la psychologie du mercenariat, tu n'es pas à l'abri de surprises désagréables. Parce que le mercenaire, tu l'as payé. Si ton adversaire lui donne un prix plus élevé que le tien, il te trahit. C'est sa nature. C'est la nature du mercenariat.
du mercenaire. On n'a pas besoin du mercenaire. Voilà. Babo Laurent veut, vous voulez que Babo Laurent vous paye pour surveiller les urnes? Non! Pour surveiller les urnes? Non! Enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos têtes. Tous ceux qui vont demander, on les, c'est la condition. Hein? On n'a pas besoin d'eux. Pas besoin d'eux.